Jouissait de
considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant de Dieu le peut. Or, il y a un des sorti partout et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël. Qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon maître était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de Salem. Verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que les rois avaient, Israël avait déchiré ses vêtements, l'envoya dit au roi, pourquoi a-t-il déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Il sera qu'il y a un prophète en Israël. Et verset 10, Élisée lui dit, va et lave-toi cette fois-là les Jourdains, et ta chair redeviendra sainte et tu seras pure. Naaman fit irriter et il s'en alla en disant, voici. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les frères de Naaman, l'Albana et les barbares ne partirent pas mieux que toutes les autres Israël. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Et il s'en retournait et partait avec fureur. À la maison, tu vas lire tous les chapitres. Jean chapitre 15. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes dit à cause de la parole que je vous ai annoncée. Aussi, vous avez dit à la Amen. Nous sommes en train, nous débutons déjà avec notre thème. La guérison du général de Naaman. Naaman fut le chef de l'armée syrienne. Il jouissait d'une grande faveur et d'une grande considération auprès de son roi. Parce que c'est par lui que les esclaves ont été manifestés. C'est par Naaman que les Syriens avaient reçu la victoire à leur combat. Mais ce général-là avait un problème. Malgré sa vaillance, il avait un problème, c'était la maladie de la lèpre. Il avait une maladie appelée la lèpre. Tous les médicaments qu'il prit, n'avaient pas de solution. Il n'avait rien comme la solution. Mais il avait du moins l'honneur. Il avait la considération. Il avait les biens, il avait l'argent.
Amen.